Question ou... Bon, il y a des mesures intéressantes pour le budget, notamment autour d'une innovation, autour de plusieurs secteurs. Nous, en tant que Business Mauritius, après consultation avec nos membres, nous rendons compte qu'il y a certains défis qui nous ont dans un pilier économique. Et nous devons continuer à faire ce travail-là pour que nous réussissions à bord de la transition économique pour le pays. Alors, il y a beaucoup de mesures qui nous disent dans nos mémorandums, qui nous retrouvaient dans le budget speech. Donc ça nous encourage, notamment autour de l'économie circulaire, autour de l'énergie renouvelable et autour des véhicules électriques, par exemple. Ce composant d'énergie renouvelable et une partie de l'économie circulaire a été prise en compte. Maintenant, nous trouvons que beaucoup d'autres sujets ont été adressés, notamment en termes de gouvernance, en termes de l'environnement. En termes de gouvernance, de l'environnement, de l'utilisation de nos ressources et surtout du capital humain. Donc probablement, ce qui est plus intéressant pour nous aujourd'hui, c'est tout le travail qui a été fait autour du capital humain, où nous pouvons trouver peut-être une nouvelle plateforme que nous capables de mieux intégrer les besoins des personnes pour un travail et les demandes de employeur pour la main-d'œuvre. Donc ça, c'est quelque chose pour nous qui est assez fort par rapport à nos budgets mieux. Qui vous demande. Bon, ça qui nous dit, il y a un peu de travail pour nous continuer à faire. Il a commencé, bien sûr, une piste là, mais il y a un travail pour continuer à faire, pour qu'il nous un défi, hein, qu'il nous pile à secteur et là, un pilier de l'économie, que ce soit le secteur manufacturier, que ce soit le sucre. Donc, une piste qui nous est annoncée. Maintenant, c'est travail, continuer à travailler ensemble pour y arriver au plus tôt. Notamment ce National Biomass Framework, extrêmement important pour l'industrie canière. C'est bon.